monsieur Carambar qui devrait rentrer normalement. Ah bon, c'est pas un poisson d'avril. Hein. Oh, ils sont même deux. Regardez monsieur les messieurs Carambar qui rentrent dans le studio. Oh. C'est un métier, moi, je dis. Hein. Oh là là, oh là là. Oh là attention, là. Les projecteurs. Oh là là. Oh là 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 là. On a entendu dire que vous aimez beaucoup les carambars. Oui, mademoiselle, oui. Regardez, ils sont beaux, les carambars. Ils sont magnifiques. Ouais. Mettez-vous par ici, on va vous voir sur europe1.fr. Et moi qui pensais que j'avais fait tous les métiers de merde. C'est pas facile, regardez. Ils sont attention, elles ils vont se... Ils sont un petit peu agressifs, ces carambars. Les carambars voleurs. Mais arrêtez d'agresser. Du coup, on envahit Paris. Ah oui, d'accord. Mais attention mais... les petits. Attention quand même. Ils vont se cogner au projecteur. Il faut quand même que je dise un truc qui était assez drôle. C'est que ce matin, l'invité de Jean-Pierre Elkabbach, c'était le grand rabbin de France. Ouais. Il est arrivé à Europe 1. Il est arrivé à la réception. Moi, je suis arrivé derrière. Et il y avait grand rabbin de France avec son chapeau. C'est normal. Là, il a les papillotes. Non, il n'a pas les papillotes, mais il a un grand chapeau. Et il est arrivé en même temps que Monsieur Carambar. Et je me suis dit, pourvu que Jean-Pierre Elkabbach se plante pas.